Eh ben, salut à tous, c'est The Baskiller. On se retrouve aujourd'hui pour encore un nouvel épisode de The Last of Us. Donc, si vous vous souvenez bien, l'ancien épisode, on a rendu visite à Bill. Et là, on va chercher des pièces pour construire une voiture. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Salut Bill, ça fait longtemps. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, Allons. t'inquiète. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. C'est ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Là, non. Alors, dans quel pétrin tu t'es trouvé? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est la vie. Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Mais c'est quoi ce type? Alors, on va où, Bill? Notre plan. Plutôt un gendarme murré. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon? Tu sais réparer? Bill, laisse-la. Je te l'ai dit. J'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Maintenant, je mets jamais les pieds. Ça compte d'infecter. Donc, il nous faut plus d'armes. Là, déjà, je les entends les infecter. C'est super. Tiens, un truc. Non. Il y en a un à l'intérieur. Au fait, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. C'est ça, occupée. C'est l'infection. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un peu comme ça. Ouais, elle est plutôt morte. Putain, mais ça continue de couler, quoi. C'est délicieux. Des bonnes pâtes à la bolognaise. Réparer pas l'une de ces voitures. Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Ok. Ok, c'est parti, let's go. Oh, double headshot, je suis bon là. Bim, dans ta face. Ok. Oh, je suis bon là. Vas-y, tu te démerdes, hein, t'as l'air d'être bien. Ouais, voilà bon. Qui est fait. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt ouais. Et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. Oh, faut pas faire gaffe, il est juste un tout petit peu fou, mais... Pas de quoi s'inquiéter. T'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. C'est les gens normaux qui me foutent les jetons. Bien placé pour comprendre. Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, voici. Ah.
Vas-y, je te suis. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Un beau pompe pour pomper. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Ça va être fun, ça. Ça, c'est fun. Je peux en lancer une. Des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se crasher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout. Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée ? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est un peu. Ça pourrait marcher. Ouais, bon, on verra bien tout ça. On va améliorer avec quelques petites armes. Tranquille. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 159. Est-ce que je fais ça ou pas ? Ouais. Je vais améliorer un, comme ça j'ai deux flingues. Je vais améliorer... qu'est-ce que j'améliore ? Le recul pour le pompe. Là, je vais améliorer... Si, je vais mettre une lunette. Le flingue, je vais améliorer la cadence de tir. Et ça sera bon pour le moment. Ça sera bon pour le moment. Ça ira très bien. Allez, let's go. Moi, je suis prêt. Je te préviens, petit, si t'as piqué un truc. Hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. On va défoncer de l'affecté, ça va faire mal.
dors pas chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Oui. Attends, attendez. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour... combattre l'apocalypse, on va tout niquer! Bref, voilà. C'est pas le professionnel ici, c'est la chance. Fou. Ok, c'est bon. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir notre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements de bombes sur la carte. Très bien. Y a-t-il autre chose? Oui. Carte 5. Ok, je suis presque à 50 pour améliorer la stabilité de l'arme. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Alors. Là, y'a rien. Oh, la vache. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Un okay, petit barbecue. Comme tu veux. Après cette porte, je serai en terrain connu. Je m'en occupe. Ok, un claqueur. Silence. Oh non, deux claqueurs. Oh putain, il m'a vu. Eh merde, fais chier. Putain, je mets déjà des mines, c'est super. Putain, Joël. Un claqueur. Oh putain, il m'a fait peur celui-là. Bon bah, autant dire que ça commence bien, hein. Alors je sais pas pourquoi mais je suis nul niveau discrétion là en ce moment, putain de... Putain, j'arrive bien. D'habitude j'y arrive bien. Ah, fait chier. Oh, c'est pas grave, hein. Il me reste plus que 3 bastos de... Non, 2 de fusées à pompe, c'est génial ça. Donc là, il en reste 2. Discret. Voilà, voilà qui est fait. Attendez, je vais juste voir un truc de minute. D'accord. Ouais, si. Voilà. Attendez, mais je suis à 50 là. Voilà. Après, la prochaine, ce sera la vie. Attendez, j'ai la clé de cette porte. Qu'on soit discret. T'inquiète, jusque là on se débrouille bien. C'est de l'ironie, hein. Doucement, doucement. Bon, là il y en a 2. Là il y en a 1. On va essayer de les étrangler eux. Tac. Continue comme ça. Ah,
pense à fouiller les cadavres. Prends tout ce que tu peux. T'inquiète. Tu déconnes pas à propos de cet endroit, hein? Putain, discret. Pas les étrangler son deck. Ok, il y a un affecté là-bas. Il y a un claqueur aussi. On a un autre là. Et là, il y a claqueur. Ok. Ok, lui, on va le laisser tranquille finalement. Ok, il va repasser par là, donc à mon avis il va faire encore le même chemin. Après on va passer tranquillou une fois qu'il sera passé dans le dans le garage. Donc on va attendre tranquillement, sans pression, il est juste là. Non, elle a pas l'air de vouloir repasser par là. On va essayer de passer tranquille. Ah ! Sans pression ! Crève, salope ! Dégage-moi cette salope ! Ouais bah putain, discrétion, j'arrive plus du tout, hein. J'arrive plus du tout, c'est la galère. Oh là là. Oh là là, vous devez me prendre pour une grosse brêle. C'est pas grave. C'est pas grave. Par là. Après c'est pas, c'est que j'y arrive. C'est bloqué. Et si on passait par là? Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. Et surtout, fais très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Non, merde. Ok. Ok. Ils n'ont pas encore repéré. Faites gaffe. Attention. Bon, là, j'ai pas d'autre choix de passer discret. A priori, je vais d'abord faire ça. A priori, je devrais passer tranquillement, normalement. J'espère. Tac. Est-ce que là, non? Là, y a rien. Il y a encore un claqueur. Discret. Là, y a-t-il quelque chose? Non, y a rien non plus. Là, y a un claqueur. Mais par contre, là, y a des trucs. Ça m'a fait peur. Que si je... Non, je vais pas faire fifou, je vais le tuer. Je vais le tuer, j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà.
Putain, mais tu m'as fait peur aussi, merde. On grimpe, on passe par-dessus le camping-car. Ça devrait être bon. Allez, 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 allez. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Allez, allez. Voilà, bon, on va passer par la baraque. Il n'y a rien. Peut-être là-dedans. Une bouteille qui me servira à rien. Ça, je prends. Non, il manque encore. Je suis désolé si je regarde souvent. Ouais. Ouais. Oh, sûr. Parfait. Juste avant, je vais se regarder à l'étage. Ouh. J'ai bien fait, apparemment. Alors, tac. Oula, il y a des choses à lire ici. Ouais. Tac. 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 Putain, ouais, il écrit vraiment le truc. Ouais, bah si vous voulez lire, pause. Hein. Là, je peux pas tout lire. Ça fait trop. Ça, je le prends. J'en suis où au niveau pile? Ah ouais, genre, ok, j'en ai que 5. Pas maintenant, Ellie. D'accord. Et là, c'est fermé. Voilà. C'était pas trop mal. Remarque, je crois que tous les tuer à l'arc. Je l'avais dit. Voilà le camion. Juste devant le lycée là-bas. Allez. Ça grouille d'infecté là. Essayez de pas faire de bruit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, là, là, là. Ah là, un autre au fond. Un autre encore au fond là-bas. Ouais. Je prends le fusil à pompe au cas où je me fais au rodave. On va passer par. Pas trop par où passer là. Non, juste là. Tu s'approches, il est mort. Ok. Ok, ok. Donc l'autre infecté est là-bas. Ça, je prends volontiers. Quelle paroi va passer? Ok. Oh, je redave. Je redave. Je redave. Je suis redave. Putain. Oh ouais, j'ai ouvert l'estomac quoi. Par où? Ah! Je ne cherche pas! T'es con! Allez, je vais économiser des munes. C'est le plus important. Bon. Encore foutu niveau discrétion. C'est pas grave. On va passer par là-bas. Là, y a rien. Ah ben merde, c'est par là-bas. Que suis-je bête? Là, y a rien.
Enfin, je crois pas. Je pourrais d'aller voir. Hein. Cours, allez, cours. Oula. Putain. Il y a Ellie qui est dans la merde. Putain. Allez. Voilà qui est fait. Des amateurs. Ah encore. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh là, je te claque le crâne, moi. Je m'attendais à pire que ça. Il se planque peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer? Par là. T'es les choses. Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. Oh non, y'a rien, ça servait strictement à rien de passer par là. Non mais monte. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Allez, dis-moi. Vous entendez ? Ils arrivent. Vite. Bordel, c'est fermé. Je suis fermé. Alors on entre en vitesse, on récupère la batterie et on fiche le code ici. La grouille. C'est fermé. Elle est fermée. Vite, vite. Vite. Merde. Non. Ça va pas tenir. Vite, dépêche-toi. Allez, dis-moi que t'as fini. J'ai vite. Quoi? J'ai vite, putain. Les gars. Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas. Allez, mène-toi, tu viens. Ok, c'est la galère. Bon, passons par derrière. Ah, 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 moi je trace, hein, rien à foutre. Démerdez-vous. Tu me lâches pas. Démerdez-vous. Allez. Putain. Ah. Merci. Ah putain, c'est la galère. J'ai obligé de me fighter. Allez, bim. Ah putain, lâche-moi, fous-moi la paix. Putain. Oh là là. Oh là là. Bill, aide-moi avec la porte. Il faut d'abord éliminer cela. Allez, dégomme. Voilà. Je me mets juste de la vie, si tu permets. Merci. Est-ce que je peux juste laisser le temps de recharger, s'il te plaît? Je fais un petit cocktail molotov, tranquille. Vas-y, je vais en faire. Moi, ouais, je vais en faire deux. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on est bon. Allez. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt. Ouais. Encore une. Allez. Un autre en chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas
pas bon signe. Ah, ça non. Ouf. Putain, c'est quoi ça? Oula, oula. Elle est à l'abri. Je m'en charge. Oula. Oh merde. Ah, je sais plus quoi prendre là. Ah putain, il m'a tué. Ouf. Merci d'être con. Allez. Tac. Tac. Oh putain. Eh, hey, tu m'approches pas. Il veut pas mâcher, hein. Il va me tuer encore une fois. Oh là là, et je vais galérer. Tac, allez, tu le crames. Putain. Tac, tu reprends un cocktail Molotov, tu le recrames. Tu prends ça. Et tac. Ouf, j'ai réussi à le tuer. Pas vrai. C'était quoi ce truc difforme? Oh là là. Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, pigé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Vite! Oh, t'inquiète, on va se barrer. J'ai juste le plein de tout. Ah, j'arrive, t'inquiète. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Ok, allez. Joël, derrière. Oh, youpi. Coup de batte. Et ouais, biatch. Il est où? Ah, il est là. Ah bah, coup de batte. On finit au point. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. C'est bon, tu les as eus. Amène-toi. Remonte-moi. Ah, c'était easy caramel. Ok, on va tracer. On n'est pas à l'abri ici. Non, c'est pas vrai. Continuez. Ouais. Non. Ouh. Laissons vite. Bon, on s'en est bien sortis. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se foutre. Tout ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors
Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Cool, juste avant, je suis sur le tour de la baraque. Oh, Dieu. Encore mieux. Ouais, bon bah son ami est mort. Ouais, bonne idée. Je te préviendrai. Tac. Là, y a rien et une lettre. Alors, Bill. Je doute que tu trouves un jour cette note car tu as toujours peur de venir dans ce coin de la ville. Mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. Je n'ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie, ce n'est pas ça. Mais ça te dépasse et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera, mais ce sera toujours mieux que passer un jour de plus avec toi. Bonne chance. Frank. D'accord, bah en fait, Frank détestait Bill. Enfin, en même temps, vu comment il est con, c'est pas normal qu'il aime pas trop. Ouais. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Frank. Mais quel con. On y va. Attends, juste deux minutes, j'en ai rien à foutre. Ça, j'en ai quelque chose à foutre. Tac. Ce que je fais. Non, je peux pas faire. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Oh, les liens commencent à se faire. Ok, c'est parti. Vas-y, passe la première. C'est déjà fait. Mais garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais t'es pas tout foiré! Ok, Ellie, prépare-toi! Maintenant, vas-y! Accélère! Allez. Parfait. Hé! Hey, bien joué, petite! Ok, là, il est infecté. Merde! Ok. Ah oh, putain, faudra vraiment que j'améliore le recul en soi. C'est fini. Faut plutôt la cadence de tir. Faut qu'on aille plus vite. Si on arrive à attendre la colline, on va le faire redescendre. Tac. Oui. Oh la collate. On retourne pousser. Allez, on recharge juste avant, je recharge. Allez, vas-y. Putain. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu sais ça, j'en ai là. Non, c'est trop tard.
Allez. D'abord flinguer le claqueur, ce serait plus principal. Ce serait principal. Allez, recharge, recharge vite. Putain. Elle va pas crever, elle. Allez. 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 Il est où, claqueur? Voilà. J'arrive. Ok, Ellie, prépare-toi. J'en vois un au fond, un claqueur. Vas-y, Ellie, démarre. Allez, tu traces. T'entends ça, Bill? Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent aussi. T'inquiète, je monte. Ok, c'est bon. Stop! Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Coup de bille. Pardon. À propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte. On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspect. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh non, non. Ah, super. Oh, on fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi.
Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Il y a de la casse. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Tiens là, toi, merde. Lâche-moi, espèce d'enfoiré. Tu vas pas m'avoir, enculé. Ouh, espèce de bâtard, je vais te niquer ta race. Dégonne ta race, enculé. Putain de merde. Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends ton souffle. On s'en va. Ok. Attention! Baisse-toi! Tac! Ah, un peu de suspense, un peu de suspense. On va s'arrêter là. Comme ça, après, à la suite, vous verrez si je vais m'en sortir ou pas dans le prochain épisode. Bah voilà, c'était The Bass Killer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner. Ça fera super plaisir comme d'habitude. Gros bisous et portez-vous bien. Bisous, bisous. Et bonne chance.